we go. Money talk. Here comes the money. Money. Salut à tous, c'est Cocorons Gaming, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale pour un pack opening de coffre gratuit. Mais cette fois, je vais commenter. Alors on regarde déjà le shop, qu'est-ce que j'ai? Oh, une armée de squelettes, c'est génial. Donc on va faire sur mes trois comptes. Et à la fin sur le compte de Petrus qui a eu un super coffre magique. Alors on commence tout de suite. Je vais monter un peu le volume. On commence tout de suite avec mon tout petit compte. C'est parti. 22 euros. Un gobelin cherry, un gobelin et un bombaolo. Donc c'est un peu de la merde, attention, une flèche, un gobelin lance, c'est génial, c'est tout le temps pareil. Un archer de gobelin, une flèche, un chevalier et un gobelin lance. Et enfin le coffre en or, le meilleur coffre, attention. 65 or, vraiment magnifique, on passe le cap des 1000 or, un chevalier, deux bombeurs. 6 flèches et attention, une rare et une boule de feu, c'est génial, on peut la passer au niveau 2. Mais là, quand je tourne cette vidéo, je sais pas encore ce que je vais faire sur le compte. Alors du coup, je vais pas la passer au niveau 2, si jamais je vais faire quelque chose que niveau 1. Alors maintenant, on se retrouve tout de suite sur mon deuxième compte à 3100 trophées. Si je trouve le truc, voilà. Alors on se retrouve sur mon petit compte. Et dans le shop, j'ai le bourreau et la méga gargouille. J'achète une méga gargouille et le bourreau que j'avais débloqué, attention. Et oui, c'est magnifique. Je débloque une nouvelle carte, ça fait super plaisir. En plus, le bourreau, il est vraiment bien. Je vais pas en acheter plus. Parce que je veux garder de l'or. Bon, là, j'ai pas grand-chose, mais je veux garder de l'or si jamais j'ai le mineur dans le shop. Et on va tout de suite commencer. Vous voyez, j'ai eu un coffre géant. Je l'ai eu hier soir. On commence tout de suite avec les coffres en argent. Deux cartes, il y a de la merde, une tour à bombe. 11 esprits de feu, le meilleur coffre en argent au monde. Attention, le deuxième, un golem de glace, une Tesla. Le premier coffre gratuit, une méga gargouille, 11 hordes, il était pas mal celui-là. 85 hordes, un gobelin, un sarbacane, 11 esprits de feu, vraiment génial. Là, attention, le coffre à couronne, on tente la technique. On spam. Bon, je me suis loupé. Oh, et c'est une armée de squelettes. Bah. Donc quand je fais ça, j'ai assez souvent des épiques hein, quand même, des épiques ou des légendaires, ça dépend. Oh, attention des barbares, et j'en donne un, parce que je suis très généreux. Et on passe au coffre géant. Trois cartes, il faut toutes les rares ou toutes les communes pour avoir une légendaire. 89 esprits de glace, c'est encore pire, c'est de la merde. Mais bon, on n'en a pas autant que ça, mais on aurait préféré au moins une épique quand même. 184 barbares, c'est bien. C'est pas mal du tout. Et 31 gobelins sarbacane, ça picote. Ah merde, je suis con, j'aurais d'abord dû ouvrir ça, j'avais oublié. Donc ça c'est un défi classique, hein. Je l'ai fait sans mettre de gemmes. Donc ça donne 190 or, 6 canons. Et le bélier de combat débloqué, 13 Tesla et 3 roquettes. Donc voilà, j'aurais dû... Ah merde, j'ai encore le coffre de clan en plus. Bon là on va donner ça. J'ai complètement oublié que j'avais le coffre de clan et puis celui-là. Du coup, voilà, c'est pas grave, on va ouvrir le coffre de clan, attention. 6 cartes, il est que niveau 7, je sais, c'est de la merde. Hein. 3 Valkyries, 34 esprits de feu, 45 mortiers, il faut toutes les communes, 71 bombardiers, est-ce qu'on a tout? Une épique, c'est foutu, on n'a pas eu toutes les rares. 14 roquettes. Bon. Ce coffre est complètement nul à chier. On passe tout de suite sur... mon gros compte. Donc on se retrouve sur mon gros compte. Alors j'ai pas grand chose, j'ai le coffre de clan niveau 7 comme l'autre et on va déjà ouvrir les coffres en argent des barbares d'élite, c'est de la merde. Voilà, celui-là il est pas mal. Ah, il y a le coffre gratuit. Celui-là il est bien, il est vraiment bien, il y a des bonnes cartes dedans. Attention, deux cartes. Alors aujourd'hui j'ai rien du tout dans les coffres gratuits. Hein. Vraiment, d'habitude, j'ai tout le temps une épique, en tout cas, ce sera de mes comptes. Attention, on tente le coffre en or. Oh, ça passe, ça passe. Le deuxième, on spam pas cette fois, 4 cartes, 238 or, un bélier, 33 sur 2, 13 gobelins à lance, 3 gobelins à sarbacane, 21 esprits de glace. Donc, j'ai que des esprits de glace, hein, sur mon gros compte, sur mon petit compte, et puis je les joue pas.
Attention, le coffre à couronne. Et que de la merde. Des barbares d'élite du genre royal. Ça pique. Bon, alors, allo YouTube, hein, Babyface. Et j'ai un petit coffre de tournoi. J'ai fait 3 games. Tranquillement. Je suis devant Flavien. Désolé, Flavien. T'arrache kit. Tu m'avais rétrogradé. Donc, merci à Tim pour les électrocutions. Donc, on va regarder ce qu'il y a dans ce coffre. Que de la merde. 175 ors, 21 archers, 3 cabanes de barbares. Et attention, peut-être la légendaire. Et un rage. Alors que je dis peut-être la légendaire, il y a un rage. Donc vraiment, merci Supercell. Superbe coffre, vraiment. Les archers, ça passe, mais voilà. Bon, c'est pas grave, c'était vite fait. Donc, coucou YouTube de team, attention, le coffre de clan. Cette fois, 1008 tours, comme ça on compte 18 zaps. 42 bombardiers, je crois qu'il n'y a pas toutes les communes. Une épique, une armée de squelettes. Donc il faut toutes les communes, toutes les rares. Ah ben un bourreau. Bon un bourreau c'est bien. Un bourreau c'est bien. J'avais eu qu'une épique sur mon petit compte, là j'en ai deux. Donc barbare d'élite, j'ai pas eu toutes les rares. 17 golems de glace. Donc armée de squelette c'est bien, bourreau c'est bien. Zap c'est pas mal. Golem de glace ça passe, les autres c'est de la merde. Et j'ai encore un coffre épique, j'hésite à l'acheter. Mais bon, je vais l'acheter quand même pour du bourreau. Je veux du bourreau, du golem. Ou bien, il y a quoi encore? J'aimerais du fureur gobelin. Éventuellement du bouliste. Donc j'aimerais ces trucs. J'espère avoir du bourreau, surtout pour pouvoir le mettre niveau 4. Une armée de squelettes, c'est génial. Deux poisons, c'est de la merde. Yes, trois bourreaux. Ça, c'est bon. Et il reste 15 cartes, je crois. Non, 14. Allez, de la bonne, du golem ou du feu à gobelin. Merci Supercell. 14 Arkix, c'est quoi cette putain de merde? J'aurais pas pu avoir 14 bourreaux. Si j'avais eu 14 bourreaux, j'aurais joui. On passe le bourreau au niveau 4, ça fait plaisir. Alors, on se retrouve sur le compte de Malo, de Petrus. Donc, je sais pas quand c'est que vous verrez... Quand c'est que vous verriez ça, parce que j'ai complètement oublié d'y aller. Donc là, vous voyez, il a un super coffre magique comme légendaire. Ben, je vais tripartiter parce que, ouais, c'est plus simple. Donc, comme légendaire, il lui manque le dragon de l'enfer, électro-sorcier et Zappy, bien sûr, il veut l'électro-sorcier. Et on va tout de suite l'ouvrir. Donc, il espère avoir une légendaire au moins. Alors, c'est parti. Attention, 4400 ors, ça va, c'est bien, c'est vraiment bien. 27 gargouilles, 61 gens royal. 149 canons, toutes les communes, toutes les rares. 2 PK, 2 princes, pardon, ça pique. Oh, 288 mortiers. Ah, par contre, là, 136 béliers, ça devient. Et 21 bébés dragons. C'est un peu de la merde. Donc là, ce coffre, c'est vrai, il est vraiment pourri. Il y a juste le bélier de combat qui peut être pas mal, mais sinon, oui, il est plutôt pourri. 21 bébés dragons, moi j'aime vraiment perso le bébé dragon, j'aime pas du tout. Après vous faites ce que vous voulez. Donc là j'ai pris un petit screenshot pour l'envoyer à Malo. Donc il a pas d'autre coffre. Alors on se retrouve pour le combat de fin. Ou bien peut-être c'est fini, je sais pas. Et je vais encore faire un petit combat pour terminer cette vidéo. Alors je vais prendre ce deck. C'est un deck PK. Alors, j'avais testé un truc PK bourreau en super défi, ça avait pas mal marché. J'étais à 2 victoires, 2 défaites. J'ai testé ce deck, je suis arrivé à 8 victoires. Et après, j'ai relancé un super défi de nouveau. J'ai fait 2 victoires. Donc, j'étais vraiment content, hein, vraiment. Non, ça me faisait chier, bien sûr. Vous avez compris, hein, si vous êtes pas trop con. Donc là, je préfère attendre. Merde. La mère elle a pu. Alors là, je veux attirer le cochon ici. Comme ça, il se met taper dessus. C'est bon. Il a mis des dégâts avec sa boule de feu seulement. Bon, je suis pas forcément hyper bien. Donc là, le combo, c'est PK, bourreau, cimetière. Donc, ce qui est bien, c'est que le... Celui en face, il s'y attend pas du tout. Du coup,
ça peut le surprendre et ça peut le défoncer. Donc ça dit que soit il marche hyper bien, soit il marche pas du tout. Ça dépend. Donc là, on a le PK qui avance. La PK, parce que c'est une femme, bien entendu. On met le bourreau derrière, au cas où il y a une armée de squelettes ou quelque chose dans le genre. Il met un esprit de glace, et là on place le slip. Merde. Merde, il est trop loin. Non, ah si, t'apprends le PK, c'est bon, c'est bien, c'est bien. Là, le bourreau qui fait le taf, il détruit la méga garbouille. Bon, ça... ça a fait de la merde, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Là, je sais pas si j'aurais dû la mettre. J'aurais peut-être dû attendre de la mettre pour le cochon. Mais bon, ça va quand même. Là, je pense qu'il va me mettre son cochon. Je sais pas si je vais peut-être essayer de le faire revenir au milieu. Non, je veux quand même pas. Ouais. Moi, je préfère mettre mon armée de squelettes. Ça passe bien, il met qu'un coup. Avec la bouche, ça fait un peu plus de dégâts, mais voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien eu du tout hein, dans ce game. What? Il l'a déjà? C'est quoi ce bordel? Quel est ce fucking bordel? Oui, le cochon, tu dégages. Ensuite, je mets le bourreau derrière. Putain, il me fait chier. Il arrête pas de m'en... Il a que des petits trucs pour qu'à la fin, ça, c'est bien joué. Il a... En fait, son deck, le but de son deck, c'est de faire... de pouvoir tout le temps envoyer le cochon. Donc là, vous voyez, ça part bien et ça, je prends un tour. Je suis bien là, je pose un PK. Il met un cochon. Il va se faire ken. Attention, et oui, ça passe, c'est la victoire. J'aurais presque pu le mettre pour aller en 3 couronnes, là, le PK. Et on va changer la mousquetaire de côté pour le fun. Et c'est la victoire. Donc voilà, c'était un petit pack opening et un petit combat sur mon gros compte. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai eu un peu de la merde hein, des fois. J'ai plutôt eu de la merde que du bien. Mais bon, c'est pas grave. Merci à tous ceux qui me donnent des apps. Donc n'hésite pas à liker, commenter, partager si ça t'a plu. C'était Coco11 Gaming. Ciao.